Le sapajou capucin, Cebus capucinus, est un singe du nouveau monde de la famille des Cebidés. Le sapajou capucin, Cebus capucinus, aussi appelé capucin à face blanche de Colombie, capucin moine ou sajou capucin, est un singe de taille moyenne de la famille des Cebidés. On le trouve dans les jungles tropicales de certains pays d'Amérique du Sud. Omnivore, il se nourrit de divers végétaux et de petits animaux. C'est la seule espèce de capucin dont la fourrure est noire sur le corps, les jambes et la queue. La coloration noire s'étend jusqu'à l'arrière de la tête en formant une calotte, certainement à l'origine de son nom vernaculaire, capucin moine. Son pelage se distingue également par une coloration blanche de la tête, la gorge, les épaules et le haut des bras. Le visage est généralement rose et la quantité de fourrure blanche qui le recouvre est variable selon les classes d'âge et de sexe. La longueur corporelle d'un individu adulte se situe entre 33,5 à 45,3 cm et sa queue mesure entre 35,0 et 55,1 cm. Le dimorphisme sexuel est peu prononcé. Les femelles pèsent en moyenne 2,67 kg alors que les mâles atteignent un poids moyen de 3,87 kg. Le capucin moine se déplace sur ses quatre pattes et présente une bipédie occasionnelle. Sa main est préhensile et son pouce pseudo-opposable. Le record actuel de longévité en captivité pour un capucin est détenu par un capucin moine de presque 55 années. Cependant, la durée de vie moyenne pour un capucin maintenu en captivité dans de bonnes conditions est de 44 ans. Les données de longévité sur les capucins vivant en milieu naturel sont rares ou inexistantes, mais les auteurs s'accordent à affirmer que la durée de vie dans ces conditions est inférieure à celle observée en captivité. Le statut reproducteur des femelles capucins moines n'est pas visible dans le sens où il n'existe pas de changement de couleur ou de morphologie au moment de l'estrus. Les comportements proceptifs sont également rares chez cette espèce. On a cependant observé des échanges de regards et des inclinaisons de la tête réciproques ainsi que d'autres comportements tels que les « sniffing urine » ou encore les « duck face », les « pirouettes » et les « looking between legs » juste avant les montes. Le capucin occupe pratiquement tous les types de forêts néotropicales d'Amérique. Il se trouve dans les forêts tropicales humides et sèches, les forêts inondées, les forêts de mangroves, les forêts galeries, ainsi que dans les forêts sèches à feuilles caduques où les averses sont absentes 5 à 6 mois de l'année. La répartition de Cebus capucinus est étagée du niveau de la mer jusqu'à 2100 mètres d'altitude, Wolfem 1983. Régime alimentaire. Le capucin moine, par son régime alimentaire très opportuniste, est considéré comme omnivore. Il se distingue en effet par la plus grande variabilité alimentaire des singes du Nouveau Monde. Cependant, il se nourrit principalement de fruits, 65%, et de feuilles, 15%. Le reste de son régime alimentaire est largement composé d'insectes ainsi que d'autres invertébrés tels que les araignées, les crabes ou encore les huîtres, mais également de petits vertébrés, lézards, oiseaux, jeunes écureuils et coatis, ou encore d'œufs, de graines, noix, écorces, bourgeons, gommes et fleurs. Grâce à leur grande dextérité manuelle et à des techniques d'exploitation des ressources sophistiquées, ils accèdent à certains fruits et à certaines graines que de nombreuses autres espèces ne parviennent pas à atteindre. Ils utilisent simultanément leurs mains et leurs dents pour tirer, mordre ou casser un item de nourriture potentielle.
Les capucins frappent souvent des objets contenant de la nourriture, tels que les escargots, les noix ou d'autres fruits et graines bien protégés, contre un substrat rigide pour les casser et les ouvrir. Ce type de comportement est dit « combinatoire » puisqu'il requiert la combinaison de l'objet avec le substrat. Une fois l'objet ouvert, les capucins sont très agiles et présentent des gestes très contrôlés pour en extraire la nourriture. La manipulation et l'utilisation d'objets sont donc fréquentes chez cette espèce bien que le temps consacré à ces activités reste faible. Cependant, l'utilisation d'outils en milieu naturel est très rarement décrite dans la littérature. Le capucin s'organise en groupe multimâle multifemelle. La taille moyenne d'un groupe est de 16 individus 18. Ces groupes sont constitués en moyenne de 20% de mâles adultes, 30% de femelles adultes, 35% de juvéniles et 15% d'enfants. Le sexe ratio des adultes est donc de 0,7 en faveur des femelles. Toutes les classes d'âge et de sexe sont représentées au sein d'un groupe. Les mâles défendent le territoire du groupe. Ils sont les seuls ou principaux participants aux rencontres intergroupes. Quant aux femelles, elles sont philopatriques et forment le noyau du groupe en consacrant plus de temps aux activités sociales. Elles entretiennent ainsi des relations privilégiées entre elles. Le sapajou capucin est un animal grégaire, qui vit en groupe de 18 à 20 animaux en moyenne. Ces groupes sont composés de femelles et de leurs petits ainsi que de quelques mâles adultes. Ils sont dirigés par un mâle alpha, qui les protège des prédateurs et les guide. Le sapajou capucin communique avec ses congénères de diverses manières. Il pousse de puissants cris en cas de danger, des cris plus doux pour la communication précise, reproduction et effectue diverses gestuelles. Les prédateurs du sapajou capucin sont le jaguar, l'ocelot, le caïman à lunettes et certains rapaces. L'espérance de vie du sapajou capucin est de, à l'état sauvage, 30 ans a priori, en captivité, 45 ans en moyenne, maximum, 55 ans. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.